rendez-vous, on y va. Et salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour le troisième épisode de M'Colo Horror Show sur Planet Coaster. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Merci à tous pour vos commentaires sur la dernière vidéo. Alors du coup, on est reparti les amis pour le parc avec un nouveau coaster et puis de la très très belle nouveauté les amis, puisque j'ai fait un parking. Ouais, je me suis un petit peu fait plaisir, je me suis gavé. Et d'ailleurs, c'est ma petite fierté personnelle parce que ce parking là, alors d'ailleurs je mettrai tout en description, je mettrai 3 auteurs du workshop que j'utilise beaucoup leur création. Ils sont vraiment talentueux les trois là, donc je mettrai en description. Pour le coup, j'ai pas les pseudos en tête, mais je mettrai en description. Et en fait, j'ai utilisé des patterns de parking. Alors attendez, parce que là le jeu il est en PLS frérot. J'ai utilisé voilà des petits patterns de parking comme vous pouvez le voir, hop, tout simplement. Et donc pour le reste, c'est moi qui ai fait. Pareil, les flèches là ici, c'est moi qui les ai faites. Et voilà, en fait c'est juste les patterns de parking. Donc j'ai fait vraiment moi-même de A à Z ce grand parking. Et je vais vous le présenter juste après les amis. Mais d'abord je vais vous montrer le parc. Alors pour ce qui est de l'entrée, on va pas plus se casser la tête, je pense, on verra par la suite hein. Mais voilà, moi j'ai envie que l'entrée ça reste quand même un truc dans le genre. Alors il y a pas mal de choses qui ont évolué. Bah là j'ai ajouté une pharmacie tout simplement. Je me suis dit pourquoi pas ajouter une pharmacie, sait-on jamais. En fait on est dans un parc d'attractions horrifique. J'ai pas envie que les gens aient de mauvais souvenirs et meurent. C'est pas le but du jeu, c'est pas un piège. Donc voilà, j'ai fait une petite pharmacie ici dans le thème. Derrière on s'imaginera qu'il y a des backstage hein, tout simplement. Est-ce que là j'ai pas ajouté des détails? Bon, j'ai rajouté des poubelles ici et là. Voilà pour l'espace de vie. J'ai fait voilà un parking pour les employés, mais on y viendra juste après. Voilà, tout bien sécurisé. Voilà, ensuite, au niveau du clown dance, juste ici, j'ai ajouté une bande son que j'ai customisée tout simplement, ça fait plaisir. Bon, vous l'avez vu dans l'intro de la vidéo. Petite parenthèse, ça fait plaisir aussi parce que maintenant j'ai des journalistes qui sont là. Alors lui il lui fait un prank, regardez comme c'est rigolo. J'ai des journalistes qui sont là voilà pour promouvoir un petit peu le parc puisque c'est bientôt Halloween. Et c'est pas un petit peu tôt, M'Colo? Voilà. Donc ça fait plaisir, là pareil. Ah oui, j'ai fait un petit air de pique-nique ici. Bah oui, parce que c'est bien beau de mettre des points de restauration, mais bon, si les gens ont que des bancs, c'est pas ouf. Donc là voilà, j'ai fait un petit coin pique-nique qui fait un petit peu peur quand même, parce qu'on est enfermé par les arbres. Évidemment c'est le but du jeu. Et puis alors derrière il y a le cimetière, donc c'est quand même très peu rassurant. Mais voilà, on peut manger ici. Voilà, ici on a un employé d'ailleurs qui est en train de manger son hamburger. Il a dû faire tomber une frite là. Une pause bien méritée puisque les amis, le nouveau coaster là-bas, aïe 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 aïe, ils ont taffé d'arrache-pied sur ce coaster, ça fait plaisir. Je vais arrêter le clown dance, ça fera moins de ressources pour rien.
Voilà les amis, le nouveau coaster juste ici, le clown tueur ça s'appelle. Alors j'ai rajouté des toilettes ici, c'est toujours sympa. Ici on a l'entrée, ici on a des petites décos et puis là on a la sortie tout simplement. C'est très rassurant ce qui se passe. Et oui les amis, alors attendez, je vais arrêter aussi là le gîte de la sorcière pour qu'il ne reste plus que ce coaster. J'en suis assez content, vous allez m'en dire des nouvelles. Les amis, je compte vraiment sur vous pour commenter. Moi je lis tous vos commentaires, ça me fait très plaisir. J'essaye d'y répondre aussi, mais sachez que je lis tout le temps vos commentaires. Donc voilà, on va rentrer dans ce coaster clown tueur. Donc on rentre, il y a du sang sur le chapiteau. C'est un grand chapiteau qui vient du workshop également et que j'ai customisé à ma façon, vous allez le remarquer. Voilà, ça, c'est très rassurant. Et on rentre dans le chapiteau, la file d'attente. Donc il commence, hein, là on est dans la file d'attente. Donc une file d'attente relativement longue, donc c'est plutôt cool. Ça permettra de temporiser. Voilà, là c'est du zigzag. Tac tac tac, on a le coaster qui arrive par là. Tac tac tac, on suit le chemin. Il y a suffisamment de lumière. Et en même temps vous avez vu l'ambiance, c'est vraiment l'ambiance chapiteau, clown, cirque, mais horrifique, hein. Vous voyez ce que je veux dire, ça me rappelle, je suis content de ce que j'ai fait parce que ça me rappelle un jeu. Je sais plus comment il s'appelle. C'était un jeu où justement il y avait un clown qui te poursuivait. C'était bien sympa. À l'époque de Squeezie, des cuts et des zooms, hein, pour ceux qui ont la ref. Bref, donc voilà, on monte la file d'attente plutôt pas mal. Enfin plutôt pas mal, plutôt longue. Et le coaster qui passe juste à côté dans le chapiteau, les amis, regardez. Voilà, c'est un truc que je voulais faire. On va faire du coup le circuit. Alors j'ai beaucoup galéré, hein. Vous allez le voir, j'ai beaucoup galéré. Bon là il fait encore quelques derniers tests de vérification. Là ici on a la caméra qui pour vérifier que tout fonctionne. Donc là c'est la section crémaillère qui monte juste là-haut. Donc je vais vous montrer avant de faire un on-ride. C'est la caméra qui est juste ici. Voilà, pour s'assurer que tout va bien. On a ici, alors c'est pas une inversion. Si c'est une inversion, je sais pas. Si c'est une inversion. On en a une là, on en a une à l'intérieur du chapiteau qui passe dans le chapiteau ici là, vous allez le voir il va arriver. On va faire un on-ride dans un instant mais j'aimerais vraiment vous montrer les petits détails. Voilà. Ça c'est pas des inversions préfaites, hein. Ça c'est moi qui les ai faites. Ensuite ça part ici, on a des airtime. Ici on a une sorte de bretzel, enfin c'est pas une bretzel du coup mais on a une, voilà. Ici une inversion pareil. Et ici on a un petit ce que je vous expliquais dans la dernière vidéo. Voilà, ça va en arrière, ça va en avant, ça va en arrière. Il y a des clowns qui nous pourchassent. J'ai galéré à faire vraiment comme je voulais et c'est pas vraiment comme je voulais. Donc j'ai vraiment fait 4 schémas. Enfin je l'ai vraiment fait 4 fois, recommencé 4 fois le bordel. Ça ressemblait pas à ça la première fois. Enfin bon bref, un délire. Les notes sont relativement bonnes donc je suis assez content d'ailleurs. Les notes sont quand même vachement bonnes pour du Planet Coaster. Donc c'est plutôt cool. Allez on va faire un ride. Et voilà les amis, tout simplement. Bon alors, hop,
je suis assez content. En vrai, je suis assez content. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, le seul défaut, comme d'hab, du jeu que j'ai à dire, c'est que je préfère la vue à l'avant du train, vous savez, et pas dans le coaster en lui-même, parce que ça rend le truc... Alors forcément, oui, il y a des endroits où vous pourriez dire que c'est pas spécialement fluide, mais en réalité, ça l'est quand même plutôt pas mal. Et quand tu vois la vue à l'avant du train, donc ce que je vous ai montré, eh ben, ça fait pas de... Enfin, c'est le tracé réel. Alors que quand on est dans le wagon, ça secoue dans tous les sens. Alors du coup, c'est parfait dans la vraie vie. Mais dans le jeu, quand tu vois que ça secoue comme ça, bah, t'as juste l'impression que c'est pas fluide et c'est absolument horrible. Et c'est bien dommage. Donc du coup là, normalement quand t'arrives dans le wagon, tu vois ici le clown là, quand ça s'ouvre au bon moment, tac, paf, tu vois le clown, ça te fait peur. Alors qu'avec la vue à l'avant du wagon, on le voit pas malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Donc là, faut vraiment s'imaginer, c'est pas possible, mais faut s'imaginer que ces clowns là, ce sont des vrais, qui te poursuivent et qui te courent après, et qui te caressent les cheveux et qui... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, faut vraiment avoir l'imagination, parce que Planet Coaster, c'est avant tout un jeu d'imagination, de ce que je constate. Donc voilà, les petites musiques en fond, les effets sonores, ça fait toujours plaisir. Et puis je suis relativement content de cette inversion là, ici là, qui passe au-dessus du chapiteau. J'ai galéré, hein. J'ai galéré à la faire, mais je l'ai faite et je suis vraiment content. Tiens, on va pouvoir encore une fois regarder l'inversion. Juste là, hop, ça passe ici et ça part là. Ça fait plaisir. J'ai enfermé le coaster avec des barrières. Voilà, j'ai fait tout le tour du parc. D'ailleurs, je vais pouvoir mettre le jour quelques instants. Voilà, j'ai mis des barrières. Je me suis bien cassé la tête à faire le tour de cette partie du parc pour arriver jusqu'au parking. Donc, de sorte à ce que personne ne puisse rentrer par là. Je remets la nuit parce que j'ai pas fini. J'avais commencé la vidéo. J'avais oublié d'activer l'audio du jeu. Enfin, l'audio des musiques du jeu. Donc, c'est pour ça que vous aviez pas entendu le clown dance juste ici. Puisque... ça n'a pas été rajouté au montage, les gars, c'est vraiment dans le jeu. Voilà, ça fait plaisir. J'ai rajouté là-haut une zone. Alors j'ai enlevé les sens interdits ici, puisque je suis parti du principe que les gens peuvent monter s'ils le souhaitent. Alors c'est du sport, hein. C'est du sport pour pas grand chose. Mais du coup j'ai rajouté des choses, à savoir un stand ici, tout simplement pour manger, boire. Là c'est pour les employés. Parfait, et puis là pareil, avec des caméras partout évidemment, parce qu'ici c'est un peu à l'écart du parc, ça fait un petit peu peur par ici. Un petit coin ici pour se poser aussi, voilà, très rassurant, toujours sympa, avec donc le train fantôme, enfin le manoir hanté, juste à côté. Donc voilà, comme ça, ça fait un petit lieu de vie, on a une petite vue ici sur cette deuxième partie du parc. Et en fait du coup je pense que là le parc est relativement bien structuré, en tout cas la fin du parc approche. Ah les gars, j'avais pas de voix de forain, hein. Je savais pas comment faire. Hein. Je savais pas comment faire une voix de forain, hein. J'ai fait avec les moyens du bord, les gars. Donc voilà, on se retrouve avec un parc qui est bien structuré. Enfin, j'espère, dites-moi ce que vous en pensez. C'est-à-dire que là, on va arriver à la fin avec le peaufinage. Les coasters, déjà, c'est terminé. Donc on a un grand coaster ici, donc le clown tueur. Là, on a le gîte de la sorcière. Et puis là, on a le ce que j'appellerais le kiddie coaster, mais bon, pas si kiddie coaster que ça, donc c'est cool. À savoir le Ghost Cemetery, le cimetière fantôme. Voilà, et puis après on a des flat rides, donc on a ici le breakdance, enfin le clown dance. Ici on a la danse des sorcières, le premier flat ride qui a été imposé. Et puis là on a 1, 2, 3 et un quatrième ici. Et puis on n'oublie pas d'ailleurs là le train fantôme, comment j'appelais ça, le manoir hanté tout simplement. Je crois que j'appelais ça le manoir hanté. Manoir hanté, c'est ça, voilà. Donc ça fait 3 coasters, 1 dark ride et 1, 2, 3, 4, 5, 6 flat rides. Et plein de boutiques, une boutique, deux boutiques, trois boutiques. Enfin, sachant que, attention tout de même, il y a plusieurs boutiques dans ces bâtiments. J'ai ajouté d'ailleurs, attendez, je me remets dans la nuit. Je crois que j'avais pas ça dans la dernière vidéo. Mais quand tu prends... Oui, pareil, parce que du coup, quand tu vas ici, là, t'as le manoir hanté à droite. Là, t'as le sens interdit. Mais quand tu sors de l'attraction là, par ici, tac, on a l'église à gauche. Et ben, j'ai rajouté ici une boutique souvenir spécialement pour cette attraction. Voilà, ça fait plaisir, ça pousse à la consommation. Là-bas, j'ai ajouté, regardez. Alors, on le voit pas très bien, mais voilà, une voiture. Et en fait, il y a un zombie juste devant. Donc ça fait un petit effet sympa. J'ai pas mis de roue à la voiture, ça sert à rien puisque ça se voit pas de là. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc voilà, des petits détails par-ci par-là. J'aimerais vous montrer le parkinge. Le parkinge, parce que je suis assez content. Alors attendez, on va mettre le jour. 8h. Non, c'est moche. 15h s'il te plaît, respecte-moi. Voilà, donc le parking, on part du principe que quand tu... On va pas s'amuser à faire une vraie route, hein. On part du principe que là t'as une route et que t'étais déjà dans l'entrée du parc. Donc là les gens sont déjà censés rouler à 30 à l'heure par exemple. Et donc on a déjà des places de parts et d'autres, comme vous pouvez le constater à droite à gauche, avec
donc des trottoirs partout, donc les gens peuvent longer tout simplement. Donc là, les gens peuvent rentrer ici, faire le tour et se garer là, trouver une place là dans ce petit parking là. Tu continues ici dans l'angle, des places de part et d'autre. Et puis là, c'est le parking vraiment sécurisé. C'est vraiment le parking où tu payes plein tarif. Donc en gros, tu vas à droite, tac, on a le petit panneau M-Color Horror Show. Je suis assez content de ce panneau puisque... Ah, c'est ma petite fierté, je l'ai fait vraiment avec le cœur. Je vous le dis, je l'ai fait avec le cœur. Donc tu rentres par la droite, tu as deux voies à droite et à gauche avec les cabines où tu payes du coup plein tarif. Tac, bah du coup les panneaux 30, je peux les enlever puisqu'il faut partir du principe que déjà là, tu roulais à 30. J'ai galéré à faire ce parking, j'ai fait 5 versions également de ce parking, c'est assez colossal. T'arrives ici, hop, et donc là tu peux choisir ta place de parking. Voilà. L'entrée du parc est là, M-Color Horror Show, toi-même tu sais. Hop, tu fais le tour, et là tu ressors par ici. Si tu veux refaire demi-tour, tu passes par là, et vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, le mec qui fait demi-tour ici est prioritaire, donc là t'as cédé le passage. Hein. C'est normal, parce que sinon à un moment donné, tout le monde se fait carotte les places. Et ici, une voie pour les bus. Une voie pour les bus, alors comment faire? Et bah tout simplement, le bus il vient là, hein, il passe. Là, il a assez d'angle pour tourner. J'ai galéré, mais là c'est bon, il y a assez d'angle pour tourner. Il va là, tac, et donc on se retrouve avec des places, deux places de bus ici. Et puis là, tu peux repartir par ici. A noter qu'il y a le métro juste en dessous du parking, qu'il y a le train qui passe, voilà. Donc ça fait plaisir. Donc vraiment, il y a toujours de quoi faire. Et puis là, le parking des employés, bam, t'arrives ici. C'est bien sécurisé, bien éclairé, tac. Et les employés passent par là et ils sont en sécurité. Oui, parce qu'on sait jamais, on peut toujours faire face à des fous. Donc voilà, tout simplement, un petit peu commencé à agencer, j'ai galéré, mais bon, j'ai réussi, donc ça fait plaisir. Et ben, je pensais pas qu'on atteindrait ce niveau. Regardez le parc, quand même, il est complet, en vrai. Il est quand même relativement complet. Maintenant, ça va être du peaufinage des détails ici et là, pour vraiment rendre le truc mieux. Ah, j'ai créé aussi un lampadaire, un lampadaire custom. Vous en pensez quoi, les gars? C'est classique, c'est sobre, mais je me suis dit, pourquoi pas? Vous en pensez quoi? Voilà, je sais pas, je me suis fait un petit plaisir. Est-ce que je peux le prendre, frérot? Respecte-moi quand même, c'est mon lampadaire à moi. Je sais pas, est-ce que vous pensez que ça aurait sa place à certains endroits? Je sais pas, ça peut être assez marrant. Après, je pense que ça irait pas spécialement là. Ça irait peut-être... En fait, je vois pas où c'est que ça pourrait aller parce que chaque zone a ses lampadaires un peu prédéfinis. Mais bon, voilà, pourquoi pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis je vais vous lire avec grand plaisir dans les commentaires. Bon, mais voilà, en tout cas, j'ai hâte d'être Halloween et d'ouvrir le parc et de voir un petit peu ce qui va se passer. Je pense pas que je vais faire peut-être plus d'épisodes parce que ça reste du peaufinage. Le jeu est quand même déjà relativement en PLS tellement il est complet. Mais donc voilà, j'ouvrirai le parc à Halloween et on verra ce que ça donne. De toute façon, j'ai remarqué que ces petites séries de vidéos n'ont pas l'air de faire l'unanimité. Je sais pas pourquoi, Planet Coaster, vous en avez un petit peu rien à foutre. Bon, bah ma foi. En fait, c'est plutôt Halloween, en fait. Hein. L'ambiance Halloween, vous en avez, mais alors, rien à foutre. Alors, je dis vous, mais si vous regardez cette vidéo, c'est que c'est pas le cas. Mais en majorité, les gens n'ont rien à foutre et c'est bel et bien dommage. Bon, bah c'est comme ça, en tout cas. Mais voilà, ouverture à Halloween. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. De voir, voilà, le but, c'est qu'on voie les visiteurs s'éclater. On va se mettre dans la peau des visiteurs, voir un petit peu ce qu'ils font, les suivre à la trace, un peu comme les Sims. Et puis voilà, ça va être bien sympa. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu et le commentaire. Surtout vraiment, je compte sur vous et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était M-Color, ciao tout le monde.